Les rendez-vous du Mondial du bâtiment. Décryptage réglementaire, une émission animée par Nathalie Croiset. Nous avons vu et nous voyons dans ce rendez-vous du Mondial du bâtiment à quel point la réglementation fait bouger les lignes. Ce mois-ci, on a décidé de zoomer sur les directives européennes qui concernent spécifiquement les équipements. Les fabricants d'équipements sont soumis à des mesures, des règlements, des directives. Et pour en parler un peu plus en détail et voir ce qui les attend dans les prochains mois, on est en visio avec Jérôme Maldonado. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Responsable froid, conditionnement d'air, pompe à chaleur RR chez Uniclimat. Alors, on va rentrer dans le détail sur les directives dans un instant. Peut-être rappeler en quelques mots ce qu'est Uniclimat tout d'abord. Bien, mais Uniclimat est tout simplement un syndicat. C'est le syndicat des industries thermiques, aéroliques et frigorifiques. On retrouve dans ce syndicat-là des industriels. Les industriels travaillent tous dans le génie climatique. Et il couvre un certain nombre de domaines, les principaux étant le bâtiment résidentiel, les bâtiments tertiaires, mais également l'industrie, donc bâtiment industriel, mais aussi du process industriel. La particularité de tous ces industriels, c'est qu'ils fabriquent des équipements. Et ils fabriquent des équipements en utilisant toutes les énergies, qu'elles soient traditionnelles ou renouvelables. Alors, c'est ce que je disais en introduction, les équipements que vous suivez sont soumis, on va dire, à des nombreux règlements, directives européennes. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus avant qu'on détaille ce qui va se passer dans les prochains mois? Alors, il y en a un très grand nombre, en fait, puisque pour pouvoir mettre sur le marché un produit, tout fabricant doit respecter toutes les directives et tous les règlements européens qui s'appliquent à ce produit. Il y a même d'ailleurs des compléments internationaux qui existent pour certains marchés. Et on va rester sur la maille France et Europe. Et pour pouvoir en fait commercialiser sur le territoire européen, il faut obtenir ce qu'on appelle le fameux marquage CE. Donc avec le logo qui est composé de la lettre C et de la lettre E. S'ils ne respectent pas tous ces règlements et toutes ces directives, mais ils ne peuvent pas mettre sur le marché européen les produits, ils sont donc interdits à la vente. Il faut savoir que tous ces règlements sont révisés très régulièrement par la Commission européenne au travers de travaux qu'elle mène avec des consultants. Et en général, le pas, c'est à peu près 5 ans. Alors, parfois, c'est plus court, souvent parce qu'il y a une pression politique qui veut accélérer un certain nombre de règlements. Mais parfois, c'est plus long parce que c'est régulièrement compliqué de faire des évolutions à des produits, à des règlements. Et il y a beaucoup de discussions autour de ça. Et alors, quelles sont les grandes révisions qu'on peut attendre dans un futur proche? Alors, il y en a beaucoup. Hélas, on ne pourra pas toutes les évoquer. Je vais rester sur le périmètre en fait du produit pur entre guillemets, puisqu'il y a aussi un certain nombre de règlements qui touchent aussi aux installations et aux bâtiments qu'on a déjà évoqué pendant cette émission. Mais on va se cantonner de plusieurs règlements. Il y a pas mal de règlements qui sont à l'étape de finalisation des propositions aujourd'hui. Je citerai par exemple tout ce qui touche autour de l'éco-conception des produits liés à l'énergie. Donc la directive éco-conception, c'est une directive qui fixe un cadre pour pouvoir avoir des produits les mieux éco-conçus pour les marchés de l'Union européenne. Mais elle ne vit pas toute seule puisqu'elle vit avec un certain nombre de règlements dédiés, on appelle ça des règlements d'application parfois. Ces règlements en fait s'appliquent à des familles de produits. Par exemple, on a en ce moment la révision d'une famille de produits qui s'appelle la famille des produits de chauffage et locaux, dans lequel on a les chaudières gaz et fioul, on a les pompes à chaleur hydrauliques, donc sur vecteur eau, mais il existe d'autres règlements. Par exemple, il existe un règlement aussi qui est en cours de discussion qui va concerner les pompes à chaleur RR, on parle aussi de climatisation de confort. Il y a des règlements sur les ventilateurs, il y a des règlements sur les circulateurs de chauffage, sur les pompes à eau, mais également sur les unités de ventilation. Et un dernier pour faire le tour du génie climatique, qu'on appelle des appareils de chauffage ou de refroidissement centralisés, oui. Parce qu'en fait, on a des produits donc pour lesquels on va faire du refroidissement et en fait, on va transférer le froid par un réseau d'eau glacée. Alors, tous ces règlements dédiés, vous l'avez bien compris, encadrent non seulement la mise en marché, comme on l'a évoqué, mais aussi la conception des produits. Mmh. Et il y a un certain nombre d'effets sur lesquels nous sommes très vigilants dans l'élaboration de ces règlements. On pourrait l'illustrer par
ce qu'on a appelé l'effet des poupées russes. Par exemple, vous prenez un appareil, par exemple une pompe à chaleur ou un chiller. Cet appareil, pour être conçu, il y a un certain nombre de composants à l'intérieur. Et dedans, vous allez trouver, par exemple, des ventilateurs. Or, certains ventilateurs sont soumis à des règlements d'éco-conception et le fabricant ne pourra, dans certaines conditions, que utiliser des ventilateurs qui répondent aux exigences de ces règlements et relatifs à l'éco-conception pour pouvoir les intégrer dans leurs propres produits. Or, on le sait bien, c'est pas toujours les meilleurs composants qui font le meilleur produit, mais c'est surtout les meilleurs composants qui discutent entre eux et qui sont conçus dans un ensemble qui peuvent donner les meilleurs résultats. Et l'effet pervers de ce dispositif-là, ben c'est que l'industriel, finalement, il est plus limité dans la capacité de conception de ses produits et d'avoir des produits qui répondent le mieux aux demandes du marché. Donc là, on comprend très, très bien les enjeux. Et qu'est-ce qui va se passer alors ? Alors, ce qui va se passer, c'est qu'il y a beaucoup de règlements qui sont en cours de révision aujourd'hui. Mmh. Et ces règlements, ils sont souvent complétés par... pour le marché du résidentiel, hein, on va être dans le domestique, par une information du public sous la forme d'un étiquetage énergétique. On connaît tous l'étiquetage énergétique qu'on a sur les produits blancs, hein, sur les produits ménagers, et cet étiquetage énergétique a été introduit dans pas mal de familles de produits. On pourra parler de la climatisation de confort, par exemple, les packs RR. On va pouvoir parler également des appareils de chauffage d'une puissance inférieure à 70 kW, c'est-à-dire ce qu'on trouve dans toutes nos installations de chauffage individuelles. Et l'idée là, c'est vraiment de pouvoir donner une information simple mais suffisamment précise et pour que le consommateur puisse aussi faire ses choix. Mmh. Avec une difficulté sur nos métiers, c'est qu'on n'achète pas des chaudières et des pompes à chaleur sur les étagères de magasins. On passe, notamment en France, par un réseau de professionnels et c'est le professionnel qui apporte souvent la bonne information et le bon conseil sur place. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans les prochains mois? Ben, déjà, on va avoir un calendrier qui est très chargé, puisque comme vous l'avez vu, tous ces règlements sont révisés très périodiquement. Si on s'arrête sur l'éco-conception et l'étiquetage énergétique des produits, sur les appareils de chauffage, parce que j'ai commencé à parler de ça, on est à la phase de finalisation d'un règlement dont les discussions ont commencé il y a déjà 3-4 ans. Ces discussions, une fois qu'elles seront finalisées, bien évidemment, la commission ne décide pas seule de ce qu'elle a à faire et elle va lancer des discussions au niveau du Parlement et au niveau des États membres, puisqu'il y a un processus en fait de vote de ces révisions de texte qui passe par ce qu'on appelle un trilogue et ces discussions vont avoir lieu au cours de 2022. On trouve ça donc pour le chauffage de l'eau, les chauffe-eau, mais aussi pour les pompes à chaleur RR et les ventilateurs. Il y a un certain nombre en fait de règlements qui sont en ce moment en cours de révision. On attend des publications autour de 2023-2024, plutôt fin 2023-2024 d'après ce qu'on en sait aujourd'hui, avec une entrée en vigueur qui en général se fait un an, voire de temps en temps, 2 ans après la publication du règlement au journal officiel. Donc, il faut s'attendre à finaliser des discussions cette année, voir des règlements arriver en fin d'année prochaine et des évolutions sur les produits qui vont commencer à partir de 2025. Mmh. C'est des temps qui sont très courts, hein, il faut pas l'oublier, puisque, par exemple, pour un équipement thermodynamique, la conception d'une pompe à chaleur, quelle qu'elle soit, c'est de l'ordre de 5 à 7 ans. Et c'est plutôt souvent en 7 ans pour concevoir un nouveau produit. Bien évidemment, quand on fait de l'adaptation incrémentale de produits qui existent déjà, là, on a de l'évolution de produits, on ne reconçoit pas tout. Mais ce sont des règlements qui nécessitent une adaptation en permanence de la part des industriels dans leur conception, dans leur process et aussi dans l'information et la mise à jour de toutes les données nécessaires à l'information du consommateur. Donc ça, c'est un travail qui... J'imagine que ce n'est pas très simple, justement, pour les professionnels, parce que là, il y a une évolution permanente, c'est en mouvement constant, ça ne va pas être très simple. Hein. Non, c'est compliqué, et avec parfois des effets pervers, c'est qu'un certain nombre de règlements évoluent dans un sens,
Et quand on est confronté à ce fameux effet des poupées russes, on voit qu'un certain nombre de composants vont être plus compliqués à intégrer parce que les évolutions ne vont pas dans le sens qui est souhaité dans les conceptions du produit mère, en fait. Et c'est vrai qu'on est dans une situation complexe. On travaille par famille de produits, ça c'est important, mais tout ça, en fait, évolue dans un cadre qui est beaucoup plus large que ça. Puisqu'en parallèle de ça, la Commission européenne a décidé de réviser la directive cadre sur l'éco-conception. Et alors, ils ont appelé ça le SPI, c'est une initiative pour les produits durables. L'idée, en fait, c'est de faire évoluer le cadre d'éco-conception des produits pour qu'on puisse mieux prendre en compte la durabilité des produits. Alors, durabilité des produits, durée de vie des équipements, c'est quelque chose qu'on connaît bien à Uniclimat. Il faut savoir que la plupart des produits, leur durée de vie tourne plutôt autour de 20 ans que de 2 ans. Hein. Et là aussi, quand on voit les travaux sur l'éco-conception, il faut voir qu'on, nous, on parle des équipements du génie climatique au sens large, mais on a aussi, comme notre équipement, par exemple, toute l'électronique grand public, les téléphones portables, les téléviseurs, les aspirateurs, mais aussi le mode veille et les alimentations, par exemple, des ordinateurs. Donc, on voit qu'on a un spectre, en fait, de produits éco-conçus qui est très, très large et pour lesquels, ben, forcément, quand on veut s'attaquer à la problématique d'un appareil qui a une durée de vie de 2 ans et qu'on fabrique un règlement dans cet esprit-là, lorsque le produit a une durée de vie de 20 ans, il y est aussi soumis et parfois on crée des contraintes énormes qui peuvent avoir un vrai impact économique. On a besoin de faire avec ça parce que de toute façon, le règlement s'applique à tous. Et dans ce règlement, les grandes notions qui vont être utilisées, c'est on tourne autour du réemploi, de la réparabilité. Réparabilité, par exemple, la plupart des appareils du génie climatique sont soumis à un entretien régulier, donc la réparabilité va de soi. C'est pas le cas d'un produit dont la durée de vie est 2 ans, en effet. Et toutes ces autres notions, il faut faire attention à ça parce que certaines sont déjà dans d'autres règlements. Par exemple, quand on regarde la directive D3E, alors c'est la directive sur les déchets des produits électriques, électroniques et le troisième E, je l'ai oublié, mais tant pis, je ferai ça, électrotechnique, on va dire, mais j'en suis pas certain. Ces notions-là existent déjà dans certaines directives, mais comme la Commission européenne, chaque direction travaille ses propres règlements, parfois on se retrouve à avoir un certain nombre de sujets qui sont traités dans plusieurs règlements et de façon différente. Et là, ça crée un flou. Pour les fabricants, bien évidemment, ça c'est évident, mais aussi pour les autorités de contrôle, parce que les autorités qui doivent assurer le contrôle du marché doivent tenir compte en fait d'un certain nombre d'éléments qui ne sont pas toujours compatibles. Alors il s'agit des déchets d'équipement électrique et électronique, pour le préciser. Alors, je vois le temps qui file parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire sur le sujet. On voit bien, en tout cas, que les entreprises vont devoir y regarder de près. Peut-être un petit mot, parce que vous avez parlé de l'éco-conception, de l'étiquetage énergétique. À quelle échéance, quel peut être le calendrier pour terminer cette séquence? Alors, le calendrier pour cette partie-là, je vous l'ai déjà indiqué tout à l'heure, hein, on est sur des publications fin 2023, début 2024, et une entrée en vigueur d'un certain nombre d'évolutions pour 2025-2026. En ce qui concerne la directive cadre, on n'a pas aujourd'hui un calendrier très clair. Ça va venir et bien évidemment, les évolutions du règlement cadre vont devoir ensuite être transposées dans les révisions ultérieures en fait, des règlements spécifiques à la famille de produits. Voilà, donc en tout cas, il faudra regarder ça de près et Uniclimat suit de près, hein, évidemment, tout ce qui se passe du côté de l'Europe. Hein. Oui, c'est une partie de notre métier. Hein. Nos adhérents, les fabricants qui interviennent sur ces marchés-là, utilisent le syndicat pour pouvoir faire valoir leur voix et faire entendre les difficultés, mais aussi les opportunités que l'on peut avoir à faire évoluer tel ou tel règlement. Bon, parfait. Merci beaucoup à vous pour cet éclairage dans cette séquence décryptage réglementaire. Jérôme Maldonado, qui est responsable froid, conditionnement d'air, pompe à chaleur RR chez Uniclimat. On va tout de suite enchaîner et puis on va parler à nouveau de la jeunesse. Vous allez voir, c'est un peu un fil conducteur entre formation et jeunesse ce matin, puisque dans les métiers d'avenir, vous allez voir, on va partir dans le Gard. Les rendez-vous du Mondial du bâtiment. Décryptage réglementaire,
Une émission à retrouver et à réécouter sur le site de Bâti Radio.